Vous avez le fichier qui s'appelle fichetechnique.ai. Vous ouvrez ça. Tout est sur un calque que je vous conseille de verrouiller et créer un nouveau calque. Et vous dessinez sur le nouveau calque, ou plusieurs calques, bien sûr. Vous vous souvenez que moi, je vous avais suggéré, c'est juste une suggestion, de faire forme principale et autre calque, forme secondaire. Voilà, donc le modèle est sur le calque qui est verrouillé. Vous travaillez sur les calques que vous créez au-dessus. Bon, moi ce que je pense, c'est que ça pourrait être intéressant que les traits noirs, tout ça, soient un peu moins présents pour que ce soit plus facile de dessiner par-dessus. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Mais c'est temporaire, après on l'enlève évidemment. Je clique sur le calque qui contient les modèles. Je crée un nouveau calque. Là, je vais l'appeler affadissement. Voilà. Sur ce nouveau calque, je vais aller créer une forme, un rectangle blanc. Vous le voyez? Un rectangle blanc sur ce nouveau calque que j'ai mis au-dessus. Et alors, je vais me faire varier sa transparence. Effet. Non, excusez-moi, c'est. Je confonds le logiciel. C'est donc menu fenêtre transparence. Menu fenêtre transparence. Avec la palette transparence qui a dû apparaître quelque part. Là, voilà, je vais enlever tout et on va la voir. Voilà, elle est là. OK. La palette transparence. Avec la palette transparence, je vais diminuer l'opacité de ce rectangle blanc. Voilà. Et vous voyez, moi, ça peut me. Ça me semble être intéressant de pouvoir éventuellement affadir pour mieux voir tous les traits que vous allez faire par-dessus. Vous gérez la transparence en donnant une opacité plus ou moins grande à ce rectangle blanc. Voilà. Et il est sur son calque à lui. Comme ça, on ne touche même pas au contenu du calque d'en dessous. On fait juste que l'affadir un peu et je verrouille ça et je travaille sur les calques qui sont au-dessus. Voilà.